Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session. J'espère que vous allez bien. Je vous propose ma petite pause détente habituelle. Alors aujourd'hui avec un méga mot croisé. Alors c'est une demande, c'est une dédicace. Donc c'est une dédicace pour Annie Verretou. Donc Annie, tu m'as demandé un méga. Et eh bien écoute, c'est avec grand plaisir, comme je dis souvent. J'aime bien ces méga maintenant. Bon, après, je les aime encore mieux quand ils sont gagnants, hein, comme tous les tickets. Mais c'est vrai que, voilà, finalement, je les aime bien. Alors, j'ai pris celui-ci. Enfin, on m'a donné celui-ci. Il se trouve que, par hasard, on m'a donné le numéro 13. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on aura la chance d'avoir un petit gain ou pas? Ça, je ne sais pas. Nous allons le découvrir ensemble. J'ai pré-gratté des lettres. Voilà ce que j'ai découvert. Et eh bien, on va continuer, par exemple, avec celle-ci. Alors, un Q. Oui, dans adéquate. Il y en a un ici. On va regarder quand même. Est-ce qu'il y en aurait un autre ailleurs? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ici, un D. Alors, un D, oui, dans don. En voilà un. Dans adéquate, il y en a un deuxième. Est-ce qu'il y en aurait éventuellement un petit troisième? Est-ce qu'il y aura un petit troisième? Non, 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 je ne crois pas. Ça n'a pas l'air. Ensuite, un K. Ah, ok. Bon, ben, un K ici. Par exemple, est-ce qu'il y en aurait un autre? Un autre K. Je vois. Non, je pense pas. Alors, ici, un X. Ah bah, décidément, le K, maintenant, le X. Bon, alors, il y en a un là. Il y en a un... est-ce qu'on a un autre X? Je vois pas. Non, je pense pas. Alors, ensuite, ici, un A. Ah, peut-être qu'il y aura plus de choses à gratter, là. Alors, un A, comme dans adéquate, nous en avons deux ici. Ok, ici, dans apte, il y en a un. Dans canif, il y a un A également. Dans base également. Dans carnaval, il y en a plusieurs. Il y en a un, deux et trois. Donc, trois dans ce mot-là. On n'a pas de R, hein, à tout hasard, non. Ok, alors, est-ce que je les ai tous grattés, les A? Dites-moi, je pense que oui, mais... Ouais, je pense que oui. Ok, bon, ben, il ne nous reste plus qu'une lettre. Ah, c'est pas ce que je voulais. Un B. Un B. Est-ce que ça va amener quelque chose? Bah si, ça doit être le mot de la grille. Bon, est-ce qu'on avait le mot de la grille? Non, on ne l'avait pas. Donc, ça doit être base. Ok, pour le mot de la grille. Mais par contre, bah c'est tout. Mince. Oh, flûte, flûte, flûte. Bon, je vérifie quand même vite fait. Alors, on n'a pas le O. On n'a pas le I. Bon. Pas de T. Pas de R non plus. Non. Pas de O, pas de I, pas de T. Ah, le S là, j'ai oublié de le gratter. Mais ça va, ça change rien parce qu'on n'a pas de I, donc ça ne marche pas. Le L là, j'ai également oublié de le gratter. Mais pareil, on n'a pas de I. Donc malheureusement, bah écoutez, non, le premier jeu est perdant. Oh, flûte. Bon, bah mince. on espérait avoir au moins un petit 10 quand même. Mais bon, voilà, après, on sait bien que c'est... Hein, que ces tickets, enfin que les tickets, évidemment, ne sont pas souvent gagnants, qu'on a déjà de la chance de tomber sur un gagnant. Donc, jouez avec modération. On va regarder le jeu numéro 2. Peut-être que sur ce jeu-là, on aura de la chance. Alors, c'est le mot « laisse ça ». D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on le retrouve à tout hasard dans la grille? Ben, je ne sais pas. Ça ne me dit rien comme ça, mais bon, on va regarder. Alors, on a quoi? Avec un L, on a loisir, là. Donc, non. Oh!
Si, on l'a, regardez. Je viens de le voir. Attendez. L, A, I, S, S, A. Oh, super! Annie, on ne sera pas bredouille. Yes, le ticket est gagnant. Ah, bah ça fait plaisir parce que j'étais déçue de ne pas avoir un petit truc là parce qu'on avait le E et qu'on a. Enfin, il y a plein de fois où on n'a pas le E et où c'est perdant. Donc là, je me disais, bon, peut-être que le E va permettre d'avoir 2 mots, quoi, d'avoir 10 euros. Non, mais on allait ça. Ah, super. Ah, bah, ça fait plaisir. Très, très bien. Parfait. Ça, c'est chouette. Yes. Allez, on regarde le deuxième. Alors, ici, c'est quoi? Jadis. Bon, ça ne me dit rien non plus, mais enfin, le premier ne me disait rien. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas. On va regarder pareil. Alors. Est-ce que il y serait? Bah, de toute façon, avec les J, il doit pas avoir beaucoup de J. Hein. Qu'est-ce qu'on avait trouvé avec un J? Je sais pas. Bon, on va regarder vite fait. Alors, avec un J, J, il n'y a pas de J. Ouais. Alors celui-là, par contre, je pense qu'il n'y est pas. Non, ça, je crois pas. Je le vois pas là a priori. Et il n'y a pratiquement pas de J ou il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Donc là, non. Non, je pense que celui-là, ça, il n'y a rien. On va regarder le jeu numéro 3. Allez, le dernier jeu, je zoome un tout petit peu. Ah, par contre, je mets mes doigts là. Est-ce que vous allez voir? Oui. On va essayer. Allez. Alors, un T. Un T, oui, dans le tableau, il y en a un là. Un autre T, non. Un S, dans Yak. Dans Pêcheur. Et voilà, ça sera tout. Un H. Un H, dans Pêcheur également. Un F, dans Fine. Et ben, ça sera tout. Un X. Alors, dans joyau. Un G. Dans gré. Est-ce qu'il y aura un autre G? Non. Un B. Un B. Dans tableau. Un P. Dans pêcheur, il n'y en a qu'un, hein, j'en ai pas d'autres, non. Alors celui-là, il est déjà presque gratté, je vais en aller voir tout de suite. Un L dans tableau également. Un I dans fine. Est-ce qu'il y a un autre I? Non. Un U. Dans joyau, ici, également, ici, également. Donc on en a trois. Un Y dans yak. J'arrive pas à le gratter. Donc, ok, il y en a un autre là dans joyau. Alors, un O dans joyau. Et c'est tout. Et le dernier. Un A dans Yak, dans Joyau, dans Tableau. Il y en a, mais il manque le E. Voilà, bah écoutez, non, a priori, je pense qu'il n'y a rien. On vérifie vite fait quand même. Il n'y a pas de E. Donc gré, c'est pas possible. Fine, c'est pas possible. Il n'y a pas de C. Donc Yak, c'est pas possible. Il n'y a pas de J. Donc joyau, c'est pas possible, pas de E là. Non, rien, rien du tout sur le dernier jeu. Mais on n'est pas bredouille. On a un gain, un jeu gagnant en tout cas, et un gain ici. Jadis, je pense que c'est qu'il n'est pas sur la grille, qu'on ne l'a pas. Donc je vais le gratter. Donc jadis, c'était pour 50 euros. Et on a l'ESSA.
Alors, il était où? Il était là, ici, Lessa. Comment je peux faire pour qu'on le voit mieux? Je le mets comme ça? Si je fais une petite. Est-ce que je fais un petit truc comme ça? Je ne sais pas si vous le voyez mieux. Hein? Voilà. Eh bien, écoutez, on va tout de suite aller voir ce que nous avons comme gain avec le mot Lessa. 20 euros, bah super, 20 euros. Oh, je pensais que ça allait être 10, mais non. En plus, c'est 20, bah génial. Ah, super, non seulement le ticket, il est remboursé, mais en plus, on a 10 euros de bénéfice. Donc, super, je l'entoure, 20 euros. Ah, bah, ça fait plaisir. Yes, yes, yes. Donc, bah écoute, Annie, j'espère que cette dédicace t'a plu. On a eu le bonheur d'avoir un ticket gagnant. Donc là, ouais, vraiment, ça fait plaisir. En plus, à 20 euros. Donc, bah vraiment top. Voilà. Vous tous, j'espère que cette dédicace vous a plu. Enfin, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si ça vous a plu. Si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mes vidéos. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne, vous êtes les très bienvenus. N'hésitez pas non plus à commenter, à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.